je suis pas dans les trucs, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux manquer de respect maintenant? J'ai fait quoi? Non, 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 là, je suis pas dans la comédie, observateur. Est-ce que tu veux... Mais arrête tes Non, bêtises. non, non, Toi, non, non, non. Non, toi, pas... champion, calme-toi. Non, Sinon, on va non, sortir. écoute, Qu'est-ce qu'il y a? écoute. Pose tes questions. Mon Pose gars, tes non, questions. écoute, écoute. Je sais que par la force de Dieu, Dieu a fait que tu as une autorité. Mais ta mentalité que, dont je t'ai connu là ne change pas. Il Parce se que passe là, quoi? non, 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 Dans ta vie, il se non. passe quoi? Mais c'est quel manque de Va droit respect? au but. Va droit au but. Parce que Non, mais là, je si suis ma tellement connexion occupé. se coupe. Je te demande quel genre de respect tu me donnes. Moi, tu me donnes ce genre de respect? J'ai fait quoi? Dis-moi. Les gens, hey, les gens m'appellent dans ton live, ils disent que tu m'insultes. Pourquoi? Parce que quoi? Parce que, attends, parce que quoi? Je Parce t'ai que j'ai, invité. écoute, parce que j'ai fait un live où je t'ai invité. Écoute, au bout d'un moment, tu es, non, écoute, écoute. Non, 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 non. Je t'ai insulté, elle dit Parle quoi? Je t'ai doucement. insulté. Parle doucement. On parle doucement, dialogue. Non, tu dis t'insultes, les Parle gens disent t'insultes, mais tu n'es pas doucement, égamé, les gens dialogue. disent. Je t'ai Parle insulté, elle doucement, dit quoi? dialogue. Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît, calmez-vous. Hey, observateur, tu es très intelligent. Tu es Non, je très... t'ai insulté, j'ai dit quoi? Non, non, je t'ai insulté, les gens disent, je t'ai insulté, j'ai dit quoi? Parle doucement, J'aime pas dialogue. foutaise, j'en fais Hey, j'aime pas foutaise. toi, menace là, tu sais, moi, je suis ivoirien, je suis Non, bassama. j'aime pas foutaise, toi t'es pas ivoirien, pas foutaise. Je t'ai Hey, insulté, écoute. les gens disent tu m'as insulté, les gens disent t'es insulté, j'ai dit quoi? Live. Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. J'ai Les dit gens, hey, quoi? les gens savent que Oh, depuis qu'ils arrête ça là, toi me... qui es un Jamais... vieux. On est un avec un vieux, artiste. tu me dis t'es insulté. Est-ce qu'il y a Non, besoin de t'insulter dans mon live? écoute-moi bien. Depuis que Observateur, calme-toi. laisse-moi Calme parler. tes bêtises. Laisse-moi parler. Depuis que Écoute-le. je fais la comédie, que tu n'étais même pas encore là. Depuis que je fais la comédie, je n'ai jamais eu d'embrouille avec n'importe quelle personne. Moi, je t'ai Donc, insulté. si je viens dans le live Insulté. pour te, si je viens dans le live pour te parler, respecte-moi. Quand je viens dans ton live, quand je suis dans mon live, et je t'invite pour parler de quelque chose de sérieux. Si tu n'arrives pas à parlementer, tu t'en vas. Mais t'es foutaise au bout d'un moment. Tu n'es, hey, on est humain. Là, y a un noir qui est mort, là. Y a des noirs, Ah, y a un t'es un noir qui est mort. plaisantin, quoi. T'es un Écoute, plaisantin. Toi, en fait, écoute-moi. tu es là pour perdre les pipettes. Écoute-moi. Tu es un perds les pipettes. Toi, Écoute-moi. tu es Après, comme tu il vas faut. faire Tu fais observateur. quoi, 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 quoi. Écoute-moi. Je t'ai insulté. Observateur. Dis-moi, je t'ai insulté Observateur. quand? Je t'ai insulté quand? Le buzz te rend fou. Le buzz te rend fou. Quand t'es, non, le buzz te rend fou. Parce que tu m'écoutes même plus. Je te ramène dans mon live. On parle de Pas quelque chose. d'insultes, dis pas. Parlons Parler. d'insultes d'abord. Parlez Non. d'insultes. Allô, Laisse-moi allô, dire s'il vous comment. plaît, les garçons. Je te Attendez, ramène s'il dans vous mon plaît. live. Saga, Je parle de saga. quelque chose de Deux sérieux. secondes. Il y a un noir qui est mort. Il y a les noirs, actuellement, on est méprimés. On souffre. Et là, tu fais ta comédie. Là, quand tu fais ta comédie, je te recadre pour dire, frère, essaie de me développer. Dans ton développé, tu parles de drogue. Écoute, il y a un moment pour rire, il y a un moment pour être sérieux. On est professionnel, on vit de notre passion. Au bout d'un moment, tu es un artiste, sois digne. Tu n'es pas là que pour faire le soir. Tu es un artiste. Ne sois pas là que Mais pour t'attends distraire ça, c'est pas ce que je te les disais. gens. Même Non, quand je non, suis non, sérieux, cet non, enculé, tu me non, traites de soif. Toi, non, ta non, barbe blanche, non. Ta écoutez-moi, barbe blanche. saga, Hey, saga, deux hey, regarde, secondes. Tu veux écoute-moi qu'on bien. parle de ça? Écoute-moi Viens, bien. viens, saga. Ma Je t'ai femme est insulté. derrière. Écoute-moi bien. Je t'ai insulté, imbécile. Quand on est deux hommes, Observateur, pardon. ma femme n'a rien fait, je Raconte des parle pas de bêtises. ma femme. Pourquoi viens me raconter des Écoute-moi bêtises? bien. Écoute-moi bien. Hypocrite comme ça, Non, je imbécile, suis pas hypocrite comme ça, là. Tu veux obligé de m'insulter? parler. Non. Observateur, Tu tu veux m'as m'insulter? insulté. Tu m'as insulté, observateur. Tu me manques de respect. Observateur, quand tu es venu en France, tu sais le lien. Je vais pas commencer à C'est toi parler. qui as fait mes Mais papiers. après. C'est toi qui as fait mes Oh. papiers. C'est Observateur, toi qui as fait mes papiers. le buzz s'est monté à la tête. Si tu sais pas aujourd'hui ce que j'ai fait, le buzz s'est monté à la tête. Observateur, c'est toi aujourd'hui tu parles comme ça? Attends, toi tu es Mais en ça Afrique, m'étonne, qu'est-ce qui t'est tu es dans quel arrivé? giga même? Tu es Mais dans c'est quel toi, t'es dans giga? quel Je comprends giga? pas. C'est les abonnés qui t'ont monté la tête comme ça? Moi, je Saga, tu peux m'écouter s'il te fais un plaît? live. Je fais un live. Non, mais je fais un live. Saga, Je fais. Non, mais prends le attends. sujet. Karine, mais il faut lui Saga, parler. Je fais un live. écoute-moi deux secondes. Faut lui parler. Je fais un live. Écoute-moi deux secondes. Non, S'il te plaît. Oui. Tata Oscar, au bout d'un moment, moi, faut arrêter avec les trucs de buzz. Depuis que j'ai commencé, j'ai jamais eu d'embrouille avec aucun humoriste. Mais Depuis prends que le j'ai commencé. sujet. Dis-moi, tu Donc, dis t'insulter là. voilà. Dis-moi. Donc, Tu dis que tu les viens gens dans le, disent. Mais dis pourquoi tu vas là, tu vas là. tu viens, non, non, je vais Saga, pas là, on je vais vient à pas là. peine de parler de la solidarité, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites là?
Mais non, mais attends, mais Tato Starine, on est solide. Vous allez régler ça en privé. Non, 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 Tato Starine, il faut régler ça. Non, Tato Starine, Tato Starine, il faut régler ça en privé, mais il faut dire la vérité. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il vient dans le live, on parle de quelque chose de sérieux. On parle de des personnes de noirs qui sont morts. On essaie de conscientiser. Il non, vient dans non, le live. Non, attends, tu viens dans le live. Tu viens dans le live. Tu viens dans le live. Après maintenant, tu fais ton live et tu dis, ouais, moi je prends Sako parce qu'il est ivoirien. Non, pas Saga parce que toi t'es française. Mais attends. Rien. Tu vois comment tu es gamin. Toi, non, tu je es suis pas un gamin. Je suis pas un observateur. Je suis pas un gamin. Deux ivoiriens, deux français. Est-ce que c'est insulte? Je ne suis pas un gamin. Si tu désactives. Tu as gardé ton nom, c'est bon. Bon, pardon. Pardon. C'est ça. Écoute. Pardon. Petit. C'est ça. Non. Écoute. Toi, t'es une bêtise, quoi. Écoute. Observateur. Je suis un petit. D'accord. Je suis un petit. Comme maintenant, tu es fâché. Bon, pardon. Non, non. J'ai dit, je prends deux Français. Non, non, observateur, regarde, je vais te le dire. Je suis content sur la vie de ma fille, que tout va bien pour moi. Mais je te dis juste une phrase et je m'en vais. Que le buzz et la notoriété ne te fait pas changer comme je t'ai connu. Non, tu es mauvais. Parce que là, tu es en train d'être très mauvais. Parce que c'est toi qui es mauvais. C'est toi qui es mauvais. Non, maman, tu n'es pas venu me saluer. Dieu te voit. C'est toi qui es mauvais. Non, c'est toi qui es mauvais. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait de mal. Ou qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait. J'ai fait un live où je t'invite. On parle de choses sérieuses. Comme tu n'arrives pas à débattre, tu as mal, tu dis oui, mais la communauté, non, mais déjà, on ne sait même pas ce que tu racontes. Non. Non, tu es mauvais. Non, tu es fou. Écoute, d'accord, écoute, au moins, tu sais le format. Tu as dit qu'on était des moutons, c'est que toi, tu n'es pas un mouton. Écoute, tu as dit qu'on était des moutons. Moutons dans quoi? Moi, j'ai pas la peau noire. Moi, je t'ai dit mouton. Je suis sur la fille de mon fils. Je vous ai dit que tu es mouton. Non, tu as dit que toi, tu n'es pas un mouton. J'ai dit je ne suis pas un mouton parce que pourquoi quand je fais la comédie, on ne me prend pas au sérieux, on me prend pour un mouton. Je vous ai traité de mouton. Pourquoi vous êtes comme ça? Écoute, observateur, on a mal compris. Je suis sur ma vie, sur la tête de mes enfants. Ok, on a mal compris alors. On a mal compris. Je suis sur la tête de mes enfants. On a mal compris. Observateur. Non, observateur. On n'est pas méchant, on a mal compris. C'est toi qui es méchant. Non, non, Oscarine. Pourquoi vous ne m'avez pas des explications? Oscarine, moi je ne suis pas là pour chercher le buzz, je m'en fous. Observateur sait que je ne suis pas là pour chercher le buzz, il me connaît. Et les gens savent que je ne m'embrouille jamais avec un comédien. Observateur. Non, non, et tata, je vous respecte. Papa, apaise ton cœur. Pourquoi je ne pourrais pas t'appeler pour vous dire quelle affaire de mouton? Moi, non, je mais, dis, non, mais... hey, c'est pas parce que je fais comédie que je suis pas un mouton. Est-ce que je suis réfléchi? Je suis réfléchi. Apaise d'abord ton cœur. Quel moment je vous ai traité de mouton? Depuis quand? Non, écoute, quand je suis rentré. Vous cherchez le bouquet mystère. Non. Vous cherchez le observateur. Bouquet mystère. C'est pas à moi que tu vas dire que je cherche des problèmes. Moi, je suis pas une fille comme ça. Non, j'ai pas dit. Tu sais très bien. Moi, je ne suis pas dans déjà, les problèmes. Le mec, il vient. Il dit moi, je l'ai insulté. Frère, j'ai pas besoin écoute. De m'insulter. Attends, laisse. Oh, moi je veux parler la vérité. Vraiment, s'il veut me bloquer de son Instagram ou mon truc, au bout d'un moment, je veux parler la vérité. Comme ça, les gens qui veulent enregistrer le live, enregistrer lui et envoyer lui. Toutes les personnes qui sont venues dans le live que je viens de faire sur la négrophobie, j'ai invité Observateur. J'ai invité Observateur pour qu'il débatte. J'ai essayé de le recadrer parce qu'il mettait la comédie. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais je ne peux pas me calmer, frérot, parce que, tu sais, le problème, c'est que, c'est pas que je suis énervé, c'est que maintenant, on est dans un monde où quand les gens ont du buzz, ils veulent plus entendre qu'ils n'ont pas raison. Ils ne veulent plus entendre qu'ils n'ont pas raison. Il a tort. Il a tort. On parle de sujets sérieux. On parle de sujets qui est sérieux. On fait un sujet sur la négrophobie. Je t'invite.
Tu fais ta comédie. J'ai dit, je te donne même pas la, je te fais pas la honte. J'essaye de te recentrer, te dire bon, c'est pas grave. Écoute, voilà, observateur, il a sa mentalité. Tu fais un autre live pour essayer de te dédouaner ou quoi que ce soit. Et puis tu me fais comprendre que oui ou quoi que ce soit, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. Moi, je ne fais de, c'est-à-dire que j'ai des embrouilles avec personne. Dans ce monde artistique, j'ai des embrouilles avec personne. Je ne cherche pas de buzz. Si je faisais, si je cherchais du buzz, j'allais pas faire ce type de live, j'allais pas faire ce type de vidéo. Observateur et moi, on se connaît depuis longtemps. Quand même il est arrivé en France, on s'est connus. Il est venu, on s'est connus, on a pris des photos. Mais vraiment, ce qui me fait mal, c'est que quand on parle de choses sérieuses, de personnes qui ont perdu la vie il y a deux jours, qui se sont fait tuer, quand on parle de choses qui fait avancer la communauté, quand on veut trouver des solutions sur la négrophobie ou sur le live que j'ai fait, il y a eu des frères arabes, des blancs, pour essayer de parler, pour essayer de comprendre. Et que toi, tu viens, tu fais le zouave, tu fais ta comédie, mais excuse-moi, je suis obligé de te recadrer. Le buzz t'est monté à la tête, frérot. Si tout va bien pour toi, je suis content, mais le buzz t'est monté à la tête. Aujourd'hui, les gens savent que jamais, au grand jamais, j'ai fait un direct et je me suis exprimé de la sorte envers un comédien. Jamais. Mais ce que tu fais, tu me coupes, tu coupes les gens, t'es hautain, tu n'es pas marrant que moi, non, coupe, je suis là, oh, je vois pas. Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? En fait, c'est voilà, vous voyez, dans le live qu'on a fait, sur la négrophobie que je viens de poster, on parlait de l'ego artistique. Voici ce que c'est l'ego artistique. Voici pourquoi on n'avance pas. Voici pourquoi on n'arrive pas à être main dans la main. Parce que il y a des personnes qui n'arrivent plus. Ils sont passés dans un stade. Ils sont passés dans un buzz où ils se disent que j'ai raison. Ils sont passés dans un stade où ils sont irrespectueux avec les gens qu'ils connaissent. Et moi, je ne peux pas laisser passer ça. Quand je te traite de zouave, tu viens, tu dis, et ta femme blanche. Mais qu'est-ce que ma femme blanche a fait? Qu'est-ce que ma femme blanche a fait? Oui, j'ai une femme blanche. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Je te parle en tant qu'homme. Tu dis, ta femme blanche, le zouave. Tu me dis, oui, je dis zouave, tu me dis la femme, ma, oui, toi et ta femme blanche. Mais qu'est-ce que ma femme blanche a fait? Est-ce que j'ai parlé une fois de ta femme? Est-ce que j'ai parlé une fois de ta femme? Et ça, voilà pourquoi, dans ce monde artistique, on n'est pas unis. J'écoute Mams, j'écoute Vamso, j'écoute tout le monde. Mais je n'ai pas... Est-ce que vous m'avez vu procurer des insultes? Je parle avec le cœur et je parle sereinement. Il n'y a pas d'insultes, c'est quelqu'un de la Côte d'Ivoire. On se connaît en Côte d'Ivoire, les médias nous connaissent en Côte d'Ivoire. Mais il faut parler sérieusement. Quand il y a quelque chose qui est grave, il faut se poser. Il faut utiliser sa notoriété et il faut la mettre à bon escient. Quand je te parle, tu vois que je suis vexé et que je te parle à toi. Qu'est-ce que ma femme a à voir dedans? Quelle est leur mentalité de dire femme blanche? Parce que c'est quoi? Quelle est la mentalité? Je te parle, tu dis toi et ta femme blanche. Tu travailles pas avec des blancs? Aujourd'hui, tu n'as pas une visibilité grâce à ces blancs. Qu'est-ce que ma femme blanche a à voir dedans? Mais au bout d'un moment, si moi je suis artiste et je ne parle pas à des gens comme ça qui pètent un câble, mais excusez-moi, on va aller nulle part. Donc vraiment, je ne sais pas si c'est la notoriété qui te rend un but de ta personne, mais vraiment, je te souhaite tout le bonheur. Mais là, je t'ai pas parlé pour une vidéo, je t'ai pas parlé pour un partenariat, je t'ai pas parlé pour quoi que ce soit, je fais un live pour la communauté noire. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et je te parle et tu me dis, toi et ta femme blanche, et après tu me dis devant ta communauté, toi tu es méchant,
Tu me dis, moi, je suis méchant. Or, tu parles de ma femme. Toi et ta femme blanche. Toi et ta femme blanche. Pourtant, c'est les blancs qui font en sorte que tu as cette notoriété. Tu travailles avec des blancs. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Non, faut pas le laisser. Écoute, là, je parle à cœur ouvert. Je ne veux plus parler de lui. Moi, lui et moi, c'est fini. Je le respecte en tant qu'artiste. Je le respecte pour ce qu'il fait. Mais lui et moi, c'est fini. Parce que là, c'est un manque de respect total. Et même si je le parle, c'est comme si je manquais de respect à ma femme. Parce que tu peux pas me parler à moi. On est deux pères de famille. On est deux pères de famille. Tu viens, toi et ta femme blanche. Mais à cause de quoi? Parce que tu es connu maintenant? Observateur? Mais attends. Mais toi et moi, quand t'es venu la première fois en France, on était comme ça. Et parce que maintenant t'as des abonnés, monsieur, dans ses lives, oui, tu peux demander dans ma production, c'est que moi qui fais les bad buzz, c'est que moi, non, tata Oscar, je suis plus marrant que toi. Il coupe le gars, non, c'est moi qui parle. Écoute, moi je peux pas me mélanger avec des gens comme ça. Donc, c'est très bien. Tu peux me critiquer. Les gens enregistrent ce que je dis. Toi et moi, c'est fini. On se voit dans un événement, je fais ce que j'ai à faire. Si c'est pour quelque chose d'associatif, je te donne la main. Si c'est pour quelque chose pour aider les enfants, je te donne la main. Si c'est quelque chose qui peut aider l'humanité, je te donne la main. Mais toi et moi, c'est fini. Parce que le respect que je t'ai donné et que toi, tu dis, toi et ta femme blanche, c'est terminé. Moi, je te parle en homme et toi, tu dis, toi et ta femme blanche. Or que je n'ai même pas parlé ni de ta femme, ni de tes enfants, rien du tout. Je te parle, tu me dis, toi et ta femme blanche. Comme si moi, je n'étais pas légitime. Oh, toi et ta femme blanche. Ça veut dire que c'est ça, c'est ce que tu as sur le cœur depuis? C'est ce que tu as sur le cœur depuis? D'accord. Non, c'est pas en privé, parce que tu sais, en privé, on va pas dialoguer. Et moi, je dis clairement, je ne suis pas hypocrite. Je le dis publiquement, lui et moi, c'est fini. Sur le plan, ça veut dire sur le plan, de toute façon, son univers et moi, c'est son univers, j'ai mon univers. Sur le plan associatif, on se donne la main. Un jour, si on joue dans un film, on est comédien, on se donnera la main. Mais sur le plan humain, toi et moi, c'est fini. J'ai vu que tu as pris le buzz qui est monté à la tête, mais doucement. Doucement, parce que même si le buzz est monté à la tête, c'est la population qui te donne cette force-là. Parce que même si tu es dans les étoiles, dès que ton étoile ne brille plus, tu sais qui tu es. Et c'est les personnes comme nous que tu appelles pour avoir des conseils. Donc vraiment, je te dis bonne soirée, beaucoup de force, beaucoup d'amour. Et vraiment, l'histoire de cette femme-là, ça m'a beaucoup déçu. Ça m'a beaucoup déçu. Parce que quand on est des hommes, on se parle. On ne va pas chercher la femme. On ne va pas commencer à dire toi et ta blanche. Comme si moi j'ai une blanche, je ne suis pas légitime. Si blanche, c'est quelque chose. Toi et ta blanche. Pourtant, on te voit dans les stories, tu es avec des femmes blanches, tu es avec des femmes de toutes couleurs. Donc je ne sais pas pourquoi toi et ta blanche. Et là, tu dis que c'est nous qu'on est hypocrites. Tu dis c'est nous qu'on est moutons. Tu dis c'est nous qu'on est hypocrites. Ça, c'est pas de l'hypocrisie, ça. Que tu me connais, que tu me dis toi et ta blanche. Donc c'est ça que tu avais dans ton cœur. Moi, je suis très choqué. Mais que Dieu te parle cette nuit. Vraiment que Dieu te parle. Parce que ce que tu as fait, en presque 9 ans de carrière, 9 ans que je suis sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais fait de vidéo pour me disputer avec un artiste. Jamais, je n'ai jamais été dans aucun clash. Même les gens qui me suivent savent que je n'ai jamais été dans les vidéos buzz. Mais tu es la première personne avec qui je me suis embrouillé. Et je comprends maintenant pourquoi tu t'embrouilles avec beaucoup de personnes. Je comprends. Parce que je vais pas dire que tu es méchant, car tu fais du bien à beaucoup de personnes, mais tu es dans l'hypocrisie. Et ça me fait mal. Merci. Ok, moi et ma blanche. D'accord.